Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va effectuer un calcul qui a fait le buzz sur Internet. Il s'agit donc d'effectuer en fait ce calcul-là. C'est le 8 divisé par 2 fois 2 plus 2, entre parenthèses. Donc, commençons d'abord par un petit rappel des règles de priorité en mathématiques. Donc, la priorité toujours, c'est aux parenthèses. Donc, je vous rappelle que ça, c'est le niveau 5e. Deuxièmement, c'est la multiplication ou la division, et troisièmement, c'est l'addition ou la soustraction. Commençons donc par effectuer le premier calcul. Donc, on a dit que la priorité, c'est aux parenthèses. Donc, on va faire 2 plus 2. Alors, ce calcul, donc, égal à 8 divisé par 2, multiplié par 4. Et là aussi, c'est la même chose. Donc, la priorité, c'est aux parenthèses. Et donc, ça fait 8 divisé par 2 fois 4. Alors là, il y a un problème. On va commencer par la division ou la multiplication. À votre avis, parce que les deux ont la même priorité. Donc, si on commence par exemple par 8 divisé par 2. Alors, 8 divisé par 2, ça fait 4. Et donc là, on trouve 4 fois 4. Et 4 fois 4, ça fait 16. Et si on commence par la multiplication ici, donc 2 fois 4, ça fait 8. Alors on trouve 8 divisé par 8, qui est égal à 1. Donc il y a des calculatrices qui donnent 16, il y en a d'autres qui donnent 1. Alors à votre avis, quelle est la bonne réponse? 16 ou 1? Eh bien, tout simplement, l'astuce est là. Donc quand vous avez par exemple une multiplication et une division en même temps dans un calcul, il ne faut pas oublier que le calcul, on le fait de gauche vers la droite. Donc ça, c'est très très important. Donc là, on a une division, on a une multiplication, on commence toujours par la gauche et après on va aller vers la droite. Ce qui fait en fait la bonne réponse, c'est égal à 16 et non le 1. Et voici donc la réponse de ce problème qui a duré longtemps sur Twitter surtout.